Madame, monsieur, bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, on va s'intéresser une nouvelle fois au défi CTR sur Crash Team Racing. Donc, comme d'habitude, on va essayer de trouver le C, le T et le R. On va pas perdre de temps, on va y aller tout de suite. Donc, comme d'habitude, je laisse les ennemis, enfin, du moins les adversaires, passer devant pour être tranquille, pour pouvoir vous montrer où ils se trouvent. Donc, celui-là, il devrait pas y avoir trop de complexité. Mis à part dans les sauts, ça devrait bien se passer. La première lettre. Là. La prochaine. Normalement pas très loin. Elle est ici. Alors je sais pas si vous la voyez, on voit une petite lettre qui tourne juste au-dessus du tremplin. Donc là c'est pareil. Bon, même si je la rate, hein, vous voyez très bien où se trouve. C'est juste un... Alors, si vous pouvez me ramener en arrière... Non, bon, vous avez vu où elle était. Vous prenez le tremplin bien sur le côté. Vous prenez le tremplin, vous voyez bien comme il est voilé. Elle est un peu en décalage, donc vous essayez de le prendre vraiment, vraiment à l'arrache. Hein. La dernière. Elle est vers la fin. Bon, on va tracer un peu. Normalement elle est aussi sur le tremplin à la con. Certains des fois sont pas faciles à attraper. Alors on a le visuel mais on n'a pas forcément par là, les moulous. Ouais, elle est là. Vous voyez, on voit le T juste ici. Donc essayez de vous mettre, en l'occurrence, n'oubliez pas qu'il faut terminer premier de la course, hein, bien sûr. Voir, voilà, on se met ici. Voilà. Et on prend notre position. Voilà. Donc n'hésitez pas à checker les autres vidéos en rapport aux lettres C, T et R, car j'en ai déjà mis certaines et je vais continuer à en mettre. Du moins, j'ai essayé jusqu'à la fin, du moins de toutes les mettre. Comme ça, il y aura la totalité des lettres. Je reprécise une nouvelle fois qu'il faut terminer premier. Bien sûr, le but est de remplir le trophée. Et n'oubliez pas de vous abonner, à liker et partager la vidéo pour ne rien rater. Et je vous dis à bientôt.